Bonsoir à tous. Le CAC 40 est reparti en hausse après deux séances de prise de bénéfices appuyées. Veolia a été très recherchée grâce à l'appui de Morgan Stanley. Eiffage aussi profite d'une recommandation favorable d'analystes. Les valeurs bancaires se sont reprises alors qu'une issue favorable se dessine pour la Grèce, avec un accord imminent des créanciers pour effacer une partie de sa dette. Cette séance a été plus compliquée pour le secteur automobile. Les immatriculations de voitures neuves pourraient plonger de 27% en janvier, selon la Tribune. Enfin, on retiendra ST Microelectronics, lanterne rouge du CAC 40. Soir. C'est une très belle séance pour Dassault Aviation qui a confirmé la sélection de son Rafale par l'armée indienne. Il s'agit de l'un des principaux appels d'offres du secteur sur la décennie. Et l'autre avion en course, l'Eurofighter, a donc été battu finalement. L'accord porte a priori sur 126 appareils de combat qui pourraient représenter 11 milliards de dollars de budget. À Paris, l'action Dassault Aviation s'est envolée jusqu'à plus de 20% après cette annonce. Les fournisseurs d'avionique et de composants Thales et Safran en profitent aussi. C'est la fin de ce flash. On se retrouve demain matin dès 9h30.